Jean-Jacques Goldman fait une apparition inattendue aux Victoires de la musique. Jean-Jacques Goldman a livré à la cérémonie des Victoires de la musique 2020 un long discours pour saluer son ami et ex-acolyte Maxime Le Forestier. Le chanteur a enregistré un message vidéo adressé à son ami et diffusé en direct vendredi 14 février. De quoi émouvoir le musicien de 71 ans à la vue de son fidèle ami installé dans le public. Merci Maxime, merci pour toutes ces chansons qui accompagnent nos vies, virgule, lance Jean-Jacques Goldman. Mais je voudrais aussi saluer le super guitariste, mais aussi l'iconoclaste qui est passé des acoustiques, au synthé, aux musiques du monde juste pas passion. Je voudrais saluer l'auteur-compositeur, qui a quand même fait le tour du monde, avec les chansons d'un autre et ton incroyable aventure Georges Brassens. Alors pour tout cela, merci, déclare Jean-Jacques Goldman. Des mots qui ont touché en plein cœur le principal intéressé. Et ce n'est pas fini, le flambeau passé à Alain Souchon, ce dernier a une nouvelle fois salué le talent de Maxime Le Forestier. Lorsque j'ai débuté, je fréquentais des garçons qui essayaient d'être chanteurs, comme moi, et qui cherchaient une direction. Alors, il y avait un mot magique, c'était le mot Maxime, un mot magique qui m'indiquait qu'ils étaient dans la bonne direction, une direction chic, élégante, comme tu sais l'être. Alors, mon cher Maxime, bravo. Je crois que tu es le chef de la soirée,